Bonjour et bienvenue dans la Minute SF. Cette semaine avait lieu le festival Les Utopiales à Nantes. Autant dire le rendez-vous de la SF. Le festival existe depuis 1998 et ne cesse d'évoluer, de grandir et de s'étoffer pour proposer au public une expérience toujours plus enrichissante. Cette année, le festival s'est construit autour du thème du temps. Et du temps, c'est à peu près la seule chose dont on pouvait manquer durant ces quelques jours. En effet, le festival propose en permanence trois lieux destinés aux tables rondes et rencontres avec des auteurs, des artistes et des scientifiques. Pour les amoureux du cinéma, 9 longs-métrages et 28 courts-métrages concouraient pour les prix des Utopiales. Par ailleurs, on pouvait aussi piocher dans une large programmation de documentaires et une rétrospective. Si je me suis pas mal attardé sur les tables rondes où j'ai pu écouter des invités prestigieux comme Pierre Bordage, Roland Lehoucq, Étienne Klein ou Jean-Claude Mézières, il faut aussi souligner la présence de nombreux ateliers découvertes pour les plus jeunes, plusieurs stands de jeux vidéo, des expositions sur la bande dessinée et la grande librairie. Bref, beaucoup plus à faire en 6 jours que je ne pourrais raconter en une minute. C'est pourquoi nous en resterons là aujourd'hui, mais retrouvez de nombreux extraits des tables rondes sur la chaîne YouTube de ActuSF. À la semaine prochaine et prenez soin de votre imaginaire.